tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 12 de notre Let's Play sur Let's Go Pikachu. Les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le repère de la Team Rocket. Les amis, j'en profite dans ce début d'épisode pour vous demander de lâcher un lourd pouce bleu qui fait plaisir à partager la vidéo et à la commenter pour soutenir la chaîne, les amis. Ça fait toujours plaisir. Attendez, je remets la caméra de droite. Ouais, bon, on va dire que ça va, je serais peut-être un peu penché sur la vidéo. Enfin bref, attendez, c'est pas normal quand même que ça soit penché cette caméra là. Voilà, comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Et du coup, les amis, aujourd'hui, allons affronter la Team Rocket dans leur repère. Donc là, on fait carrément une percée à l'intérieur de ce lieu, tout simplement. Attends, donc lui, il y a moyen de le skip, du coup, on va le skipper. Parfait. Là, il y a une Pokéball juste en dessous de la table. Oui, 3 bonbons force S, c'est cool. C'est cool, cool. Enfin, ok, donc là, il y a... Là, je pense que ça va être la sortie du repère. Il y a moyen que ce soit la sortie du repère. Attends, hop. Voilà. On passe tranquillou bilou. Il n'y a pas de soucis à avoir. Chut, je suis fatal. Stéphie fatal. Je suis une espionne en mission. Mais dis-moi, que fait un gamin comme toi par ici? Je suis là pour vaincre la Team Rocket. Oh, oh, tu as l'écran, tu me plais. Tiens, pour finir notre compte, laisse Stéphie t'offrir ceci. Oh! Pour tout ça, il t'aura l'air d'un vrai Rocket, même si à mon avis, personne n'aura de mal à démasquer vu ta taille. Ah merde. Mais c'est pas grave. On est dans le repère de la Team Rocket, les gars. On va s'habiller comme la Team Rocket. On est obligé. On est obligé. Casquette Rocket. Ah là, ça va être bien, ça va être génial. Au final, à chaque zone, on a comment ça s'appelle, une tenue en soi, j'ai l'impression, hein, pour le coup. Mais c'est cool. Au moins, on sera réfugié à la Team Rocket. Oh là là, mais que... Elle est stylée cette tenue, on va pas se cacher, on va être tous d'accord sur ça, elle est incroyable. Alors le bas, le Bermuda Rocket, attention, rien ne va plus. Pareil pour les shoes. Yeah, hop. Oh, elles sont pas super belles, hein, les chaussures Rocket, mais bon. En tout cas, voilà, le sac, faites voir, rotation. Parfait. Maintenant on est aux couleurs de la Team Rocket, tout va bien. Et c'est parti les amis, donc lui, on va être obligé de l'affronter. Ah! Ok, comment on se rentrer dans l'empire de la Team Rocket? Bah écoute, mes balls sont dans une main et puis je te les mets sur ton front. Alors. Ok. Un Osferalto. J'en ai vu passer un Osferalto dans ma vie, hein, mais bon. Mais as-tu déjà vu un Pikachu de la Team Rocket, mon petit pote? Ils sont quand même pas mal. Ils ont un bon niveau, les Pokémon adverses. Hop, ça dégage. Bon, je pense qu'il est temps de pex quand même un peu les autres Pokémon, parce que notre Pikachu est niveau 30, certes, c'est bien. Mais tout de même, on va pas se le cacher, nos autres Pokémon sont vraiment très faiblards. Alors, on coupe s'il a un bon niveau. Et moi, c'est plutôt Herbizarre et compagnie qui me font peur. Non, pas Herbizarre, mais Carabaf, Reptincelle, qui me font un peu peur. Zut, c'est pas le sac que je voulais. Moi, c'est l'équipe. Et dans l'équipe, il y a... Ah, vous voyez, ils sont niveau 18 et 19. Voilà, on va faire comme ça. Coucou. Hop. Alors. On peut pas passer ailleurs? Ah, un Kudjat. Super. Faut voir. Non, y a rien de cliquable par là. Ah oui, je me suis fait eu, on pouvait descendre, c'est pour ça. Tout va bien, vous inquiétez pas. Ok. Donc en fait, on n'était pas forcément obligé de l'affronter lui tout à l'heure. Alors on a des plaques roulantes là-bas, sur le côté. Je sais pas si vous les avez vues, les petites plaques vertes là qui vont à gauche. On va voir un peu ce qui se trame. Ok, donc lui, on va se le faire aussi. Un hypnomade, l'évolution de Soporifique, pour ceux qui ne savent pas. Ah là là là. Ok, faites voir. Niveau 29, on est niveau 18. Alors, c'est mort. Jamais on fera le poids. Bon, on peut envoyer un bizarre. Parce qu'il me semble que les attaques de type psy ne font pas beaucoup de dégâts à mon petit air bizarre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, les gars, j'ai fait une bêtise. Une très grosse bêtise pour tourner cette vidéo. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis en tailleur sur ma chaise. Et comment vous dire que j'ai mal aux jambes? On va faire un truc très simple.
Voilà. Thank you. Ah, je me suis enculé. Ok, très bien. Je me suis complètement trompé en fait. Le type 6 c'est vachement fort contre les types plantes. D'ailleurs, ça pourquoi ça j'ai jamais compris, mais. Mais voilà, c'est. Fallait bien que je me trompe. Sinon, c'était pas drôle. Sinon, vous connaissez très bien mon skill dans Pokémon. Alors, mon petit pote, c'est pas contre toi. Mais bon. Ah oui, merde, c'est vrai que. Il n'y a pas un 100% de précision Fatal Foudre. Bah, pas de soucis. Ah, écoutez, ça, c'est à 100% de précision. On a la priorité d'attaque, c'est parfait. Et je vais vous montrer quelqu'un. Tu vois ? Ça, c'est mon petit Pug. Salut. Voilà, c'est Zelda. Je sais pas si vous la connaissez. Vous l'avez déjà vu dans des vidéos avant. Mais il y a fort, fort longtemps. C'était il y a déjà 2 ans et demi. Kava ? Kava, tu vas bien ? Il fait quoi là ? Il fait sa vie à côté. Pourquoi je sens que je vais pas m'en sortir ? Ah ! Elle a pas le choix, hein, très bien. J'aimerais bien avoir la petite Pokéball qui est là-bas. On est teubé ! On va jusqu'au bout du monde comme ça ! Hop là, autant récupérer tous les petits trucs. Hein. Une pépite en plus, nice ! C'est bon ça pour acheter des objets et tout. Mais je sais pas à quoi va nous servir notre argent, mis à part les Pokéball en vrai. Parce qu'en soi, c'est terrible, mais. Là, j'ai rien d'autre à faire. Alors, un petit réveil, ça fait plaisir. Là, ouais, là je peux m'arrêter ici. Tac, donc je peux revenir là, prendre la Pokéball. C'était 0,5 repos. Ok, why not. Là, on peut s'arrêter là. Là, je peux m'arrêter là-bas en prenant celui-là. Ok. En fait, à quoi ça me sert tout ça? Ok. Si je prends celui-là, je m'arrête juste en bas. Ok, admettons. Il y a une Pokéball quand même à récupérer là-bas. Voilà, c'est insupportable parce que ça va très lentement cette machinerie du démon là. Hop. Oh, PP+. Alors ça, ça sert à avoir plus de points de pouvoir, donc plus de points d'attaque. Enfin, plus de points d'attaque, n'importe quoi. Plus de. En fait, on peut utiliser une attaque une fois en plus. Une fois supplémentaire. Je sais pas si c'était clair, mais bon, voilà quoi. On essaie. Hein. On fait comme on peut. Paf. On passe par là. Puis par là. Une fois qu'on est là. On prend. Dommage. Je me suis trompé. Évidemment, fallait que je fasse erreur. Fallait que je fasse erreur. Voilà, donc après cette erreur assez cocasse. Ok, donc il faut prendre celui-là du haut. N'oublie pas. On arrive là, une fois qu'on a fait ça, on va là. Et là, on est quelque part, je ne sais où, mais on y est. Alors, je sais pas si c'était par là qu'il fallait passer ou quoi. En tout cas, nous sommes quand même dans ce qui pourrait être les locaux de la Team Rocket. Toi, tu bouges aussi. Ok, donc là, c'est vraiment juste pour récupérer des objets. Vraiment pas obligé de passer par là. Mais des hyper potions, des pépites plus et tout, ça fait toujours plaisir. On va pas se cacher. Toc, allez, on se casse. Écoutez, on a fait le stock de Pokéball et tout, hein. Ce fut non négligeable. Ce fut pas non négligeable, justement. Hop. Descends encore un peu. Si tu bouges pas, très bien. Donc toi, on est obligé de t'affronter. Encore un objet, décidément. Décidément, décidément. Ce jeu est truffé. Je trouve que ce jeu a beaucoup plus d'objets que les autres opus Pokémon. C'est. Bien et en même temps, c'est chiant. Donc, il y a encore un truc pour récupérer 1000 objets là. C'est bien gentil, mais bon, voilà quoi. Moi, j'ai envie du combat, j'ai envie d'avancer dans l'histoire. Hop, tac, parfait. Ok, donc là pareil, c'était pour un objet en bas. Oh, un super bonbon. Bien ça, très intéressant ça. Je venais là. Hop, donc là on peut repasser. Ceci. Comme ça, est-ce qu'on peut aller plus bas ou pas? Je pense que la réponse est oui. Oui.
Voilà, parfait. Alors toi, on est obligé de te faire, ok. Et en vrai, on avance, hein. Mine de rien, on avance. L'objet qui se trouvait juste en haut, je pense qu'on va pouvoir repasser par ce chemin et donc le récupérer. Donc ça, c'est parfait aussi. Moi, ça me va. Tant qu'on peut tout récupérer à un moment T de la vidéo, c'est bon. Oh, le petit ratata! Oh, cul à mignon! Gros niveau, le ratata, quand même, hein. Habile. Allez. Merci bien, hein. Surtout, c'est une bonne journée. Ouais, là j'ai des Pokémon trop faibles. Va falloir que je les pexe entre deux épisodes. Je suis désolé, les amis, mais attendez que j'étais dans le repère de la Team Rocket. Je voulais pas perdre le fil. Un peu de histoire et tout. Donc... Enfin, surtout, on était dedans, donc j'allais pas ressortir. Attends, sinon, c'est vraiment pas une vraie mission d'infiltration. On va être tous d'accord sur ça. On est tous d'accord sur ça. Donc ça va. Genre il est... Pourquoi ça va commencer à me casser les steaks cette affaire? S'il prend même pas un niveau avec tout ce qu'on lui fait faire là. Oh, c'est quoi ça? ça me tue. ça me tue vraiment trop. Ah, c'est pas très efficace. Oh, c'est pas grave. Il a l'air désespéré, alors comme toi mon grand. Ah là c'est bon, il meurt. Ça c'est parfait. Allez dégage. Bam. C'est ma souris la plus forte. Espèce de Pokémon à deux balles. Et évidemment les amis, donc là vous entendez la magnifique sonnerie de mon téléphone parce que quelqu'un est en train de m'appeler. Parce que la seule fois où je ne mets pas mon téléphone en mode avion, quelqu'un m'appelle. Donc la vidéo de ma tête s'est coupée actuellement. Mais... elle va revenir. Elle va revenir dès que le téléphone portable aura cessé de sonner et tout simplement j'aurai réussi à mettre en mode avion. C'est en train d'être fait. Hein. Hop. Évidemment, pour mettre le mode avion depuis le mode vidéo, bah, c'est très chiant. Voilà. Tranquillement, on y arrive. On le fait. On tourne la tête. Hop. Hop, hop. Et hop. Voilà, parfait. Bien. Donc la tête est revenue. Bonsoir tout le monde. Ah mon dieu. Il va falloir que je resynchronise donc la tête avec la voix. Oh c'est terrible. C'est terrible, ça c'est quand ça t'arrive, t'es. C'est chiant. On va pas se casser. Je suis caché, c'est chiant. Il y a un mec qui revient une Pokéball avec grand intérêt là. File-moi ça. L'ascenseur ne marche pas. Oh bah c'est dommage ça, je me demande bien qu'il pourrait avoir la clé. Eh ouais, moi tu peux te brosser, tu l'auras pas. Oh garçon, pour qui tu te prends là s'il te plaît? C'est à quel moment tu te dis ça? Un tas de morve. Oh là là, en plus un tas de morve. Pokémon de type poison, évidemment. Bon, étincelle. Voilà. C'est mon reptincelle. Donc bon. Allez, on va envoyer un peu Roucoups. Parce que le prochain niveau, il évolue en Roucarnage. Et ça, les amis, ça fait plaisir. Donc, au tout début du niveau. Peut-être que, ouais, je pense que dans cet épisode, il y a moyen que Roucoups évolue en Roucarnage. C'est vraiment très cool. Moi, je serais ravi de voir ça. Moi, je préfère vous le dire. Ah, par contre, s'il est cancéreux au point de me faire une armure tout le temps. C'est pareil, c'était quoi? C'était... quel Pokémon? Ah oui, Infect. Non. Non, c'est bon, je me rappelle. Comment ça s'appelle? Dans Emerald, il y avait des Pokémon comme Blindalis et Armulis qui faisaient en fait que faire armure pendant les combats. Et c'était marrant parce qu'à un moment je les avais combattus avec un Shinipot. Et comment vous dire que c'était très long ce combat. Et que par tour, le Pokémon adverse ne perdait même pas un PV. Il perdait la moitié d'un PV. Super. Super. Super, super. Je pense que notre Pikachu il va mourir, hein. Clairement. Qu'on se dise. Hop, allez les gars, Pikachu, c'est à toi. Ce genre de Pokémon insupportable, regardez les amis, c'est pas...
incroyable ça. Alors, hop, tac, Pika Sprint. Putain, il arrive même à éviter le Pika Sprint, les gars. Ça va être très long. Ce combat va être l'un des plus longs du monde, hein. Alors que le mec n'a qu'un seul Pokémon. Vous avez vu, il nous a pas attaqué une seule fois depuis le début. Ah, merci, enfin, putain. Et ça le tue même pas. Hein. Ah si, oh, c'est bon. Parfait. Allez, ça dégage. Vraiment insupportable, hein. Ah, voilà, le petit reptin, c'est le camion du niveau, ça fait plaisir. Alors, okay, j'aurais dit pareil. Quoique, pour plus de sécurité, mettons-la vraiment hors de portée. Yeah ! Ah d'accord, ok, il se fout de ma gueule. Très bien. Pfiou ! Sans la clé, t'arriveras jamais jusqu'au bureau du boss. Bon courage pour la choper maintenant. Ah. Quel homme insupportable. Enfin, qu'on trouve un moyen pour monter alors. Intéressant. Intéressant, intéressant. Enfin, je crois. Du coup, si on va là. Il y a un truc à faire là, non? Ah, peut-être là-bas, attendez. Comment on fait pour y accéder? C'est peut-être pas là, c'est sûrement pas là, mais en tout cas il y a des Pokéballs, what the fuck. On nous a prévenu de ton arrivée. Ah bah. Nice. C'est cool ça. On a vu Jesse et James, hein, avec leur boss. De l'autre côté. Ça sent le combat contre Giovanni. Moi il dit ça, il y a des liens. Après. Voilà. Je vais voir. C'est pour moi, Pikachu, vas-y, défonce-nous. Hein, clairement, on va pas tortiller du cul pour chez droit comme on dit chez nous, hein. C'était vraiment nul comme attaque. Mais vraiment beaucoup. Allez, prends tout ça dans la gueule, s'il te plaît. Ouais, je sais, c'est facile, toujours utiliser Pikasprit, nanana. Wow! C'est qui joue? C'est moi! Donc, tout calme, s'il te plaît, hein. Tu. Hein? Voilà. Tu renaissance, sinon. Je te mets meule. J'ai une tête de con que je suis meule. Non mais vous comprendrez que voilà, pour des raisons de... de rapidité. Ah bon. Cool. Par contre, ouais. Cool mais bof. Attendez. Parce que là on a le mec, il a été gentil de jeter la clé au-dessus du bidule là, du grillage. Je suis sûr qu'on peut. Il y a un truc à faire. Il y a clairement un truc à faire. C'est on peut monter déjà là-haut. Le mur est trop haut pour atteindre la clé. Pika ? Ah voilà. Peut-être Pikachu pourrait vous aider. Vas-y, aide-moi. Putain, fais un truc. Ah, peut-être qu'il faut qu'il apprenne une attaque. Attendez. Comment ça s'appelle? Ah, moi, j'avais vu qu'on pouvait utiliser une Pikachu. Pour faire des choses. Oh, qui est trop mignon. Juge. Excellent stat. En même temps. C'est bon, le personnage iconique là, donc bon. Il a intérêt à avoir des bons stats. Peut-être qu'il peut nous aider à récupérer la clé. Mais moi je veux bien qu'il nous aide, hein. Y'a pas de soucis. T'arriveras jamais à récupérer, faudrait que tu puisses grimper au mur. N'empêche, ton Pokémon a l'air sacrément dégourdi.
Merci bien, chef. Merci bien, merci bien. Intéressant. Allez, où? De marche-pied? Ah oui. De marche-pied. J'y étais pas. On peut pas booster la commode, là? Il y a un message griffonné à la main. Attention, ne laissez surtout pas vos Pokémon passer par le conduit. Ils risquent de grimper par-dessus le mur. Ok. Ah, la chaise, attendez. On va utiliser la chaise. Eh, mon dieu, mais c'est compliqué, tout ça, hein. Cette chaise fait un excellent marche-pied. Tiens, comme c'est bizarre. Ok. Et hop, pique. Allez, vas-y, fonce en piqueur. Oh, il est trop chou. Aidez-vous de votre partenaire pour récupérer la clé lancée par le sbire. Oh, on va contrôler Pikachu. Mais non, vous bluffez. C'est incroyable. Je suis full teubé, je vais dans la mauvaise direction. Ah. Ah. Patron, d'où sort cet osselet? Oh non, notre osselet! Mes sbires se sont mis en tête de le ramener ici. Son petit casque en os est de toute beauté. Si on le fait évoluer en ossature, on en tirera un bon prix. Quelle bande de gredins. Et salut. oui, alors par contre. On rigole, hein, mais bon, on va pas le fond du bol non plus. Hein. Ah voilà, merci. Putain, mais... Ah oui, d'accord, oui, tout simplement. Oui, je suis... Oui, non, en fait, je suis bête. C'est... Tout va bien. Parfait. Nickel chrome. Et hop là, on récupère ça. La clé ascenseur, c'est nickel. Dis, t'as pas entendu un drôle de bruit? Si, j'ai entendu un truc aussi. Tu penses à ce que je pense? Et si c'était un intrus? Ouf, ce n'était que le ventre de Miaouz qui gargouille. Arrête, tu nous fais peur, espèce d'estomac sur pattes. Ah là, parfait, allez les amis, un truc de plus accompli. Alors, j'ai trouvé ça incroyable, cette petite phase de gameplay était plutôt sympatoche. Maintenant, il me faut la clé de l'ascenseur. Alors, j'ai la clé de l'ascenseur, maintenant il me faut l'ascenseur. Du coup, il suffit de remonter, je pense, tout en haut pour avoir l'ascenseur. L'ascenseur, tout à l'heure, on l'avait eu. Là, tout ça, ça s'est fait, ça s'est fait. Patati patater, ça s'est fait aussi, c'est nickel. J'avais vu un ascenseur. L'ascenseur est juste là, juste derrière. Là. Me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises. Ce qui est tout simplement là. Au ras des fesses, hein. Putain, mais j'avais vu un ascenseur tout à l'heure, wesh. Ah, il est là, ok. Faut y accéder là. Ah, mais je pouvais y accéder tout à l'heure, attendez. J'ai bluffé. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. En fait, je pouvais accéder depuis là si je descendais tout en bas et tout. Bah, depuis là, on pouvait. C'est pas de là où on vient, ça? Ah oui, non, non, c'est bon. Tout va bien. On gère, les amis. On va réussir à résoudre ce mystère. Quoi de Scooby-Doo? TMTC. Les vrais connaissent. Les vrais connaîtront. Alors, hop. Admettons. Voilà, c'est par là qu'il faut passer. Hop. Tac, nickel. Mais j'ai l'impression que je suis déjà passé par ici, c'est pas possible. Non? Ah, l'ascenseur! Le fameux. Nickel. Eh bien, au moins 4. Allons-y, les gars. Allons botter les fesses de la Team Rocket. Mais d'abord, on va faire un petit tour pour soigner nos Pokémon, parce qu'ils sont pas en super bon état. Notamment notre petit Pikachu. Hop là. Allez, ah, bizarre, juste pour la forme quoi. Voilà, parfait. Et on va évidemment déplacer Pikachu premier, comme ça il va tout défoncer. Et les combats, ça va aller vite. Et ça va pex nos autres Pokémon. Et ça, c'est intéressant. Il y a toujours des objets. En vrai, il s'est truffé d'objets ici, c'est pas possible.
Il y a une petite élection qui fait plaisir. Ok, tu m'enquêtes là. C'est parti, les amis. Hé, hey, mais je te reconnais, t'es le morveux du mont Sélénite. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je viens à... Ouais, plutôt Osley. Hein, Osley, bah, t'arrives un peu tard, on l'a refilé de vos boss. Laisse-moi te dire une bonne chose, jamais tu n'arriveras jusqu'aux bases. Comment as-tu osé nous humilier au mont Sélénite? Cette fois, tu vas prendre cher. Jesse, James, Miaouz, voyons. Calmez-vous. Calmez-vous sinon vous allez prendre cher. Arbok, un Smogogo. Oh, leur Pokémon ont évolué. Intéressant. Mais c'est pas ça qui va me faire changer mon avis sur le fait que vous allez prendre extrêmement cher. C'est notre premier combat double, non? Il me semble. Hop. Ok, parfait, midlife. Aïe, ça va faire mal. Ah! Il est mort. Il a mouru. C'est terrible. Ça, je vis bien. On va envoyer Roukoups. Tant qu'à faire. J'aurais bien voulu faire un Fatal Food, mais bon. Hop, sur le Arbok. Et Roukoups, on va lui faire un petit cruel sur Smogogo. Et ça va le faire. Bah déjà, Arbok il est mort. Comme ça, ça pose les bases, mon gars. Et ensuite... C'est bien, ça. Petit niveau 31 qui fait plaisir. Oh oui, tu m'apprends à la place d'écume, je sais pas quoi mon cul là. Ou soit à la place de Minique pour l'instant. Après on remplacera... écume par hydrocanon ou quoi. Hop. Oh là là. C'est si triste les dégâts qu'on leur affiche. Ah non, par contre je veux que mon Roukoups s'évolue là à la fin de l'épisode. J'ai dit qu'il est révolué, du coup il évoluera. Vers Pika Sprint, pareil toujours. Hein. Je change pas une équipe qui gagne. Sac, on va lui faire un. On va lui faire la totale. On va faire une super potion. Sur Roukoups, parce que là il va évoluer hein, les gars. C'est obligé là il évolue. Hop, donc ça dégage. Il récupère toute sa vie. Pika Sprint. Et comme ça au prochain tour les gars. Il veut se jouer comme ça. Bah tu sais quoi mon pote, pas de problème. Si tu veux te la jouer comme as, on va rentrer dans ton jeu. Ah bam. Ah il dégage. Oh, faut pas déconner non plus. Ouh ça pue la merde ça. Ah non pas le poison. Non. Ah merde. Zut. Tant pis, comme j'ai envie qu'il évolue, on va improviser. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir les amis. Quand je vous dis qu'il évolue dans un épisode, c'est qu'il évolue dans un épisode. Déjà lui on fait Pika Sprint, parce qu'on a comme ça la prio d'attaque. Et là dans le sac les gars, on va utiliser... Certains trouvent que je dégage peut-être, mais Balek, moi je veux qu'il évolue. Hein, moi je veux une belle évolution, un stade final, parce qu'on en a pas eu des stades finaux comme ça. Un peu là. Et ça dégage. Fou. Il évolue même pas. Je suis tristesse. En tout cas, on les a défoncés. Hein. Ça, y a pas à dire. Oh, ça va, hein, pas la peine de faire ton crâne juste parce que ton équipe est un petit peu plus balèze. Hein. Ouais, d'abord, tu vas voir, on va te. La team Rocket à la vitesse du son. Parfait. Ah, c'est qui lui? Grâce au scope Sylph, nous en avons enfin la preuve formelle. La Sylph dispose bel et bien des technologies nécessaires qui nous permettraient d'atteindre notre objectif. La Team Rocket triomphera. Une machine pour détecter des êtres invisibles. On dirait la description d'un vulgaire jouet. Pourtant,
Soit. Amos, poursuis infiltration de la sylphe. À vos ordres. Aussi nous a repéré, parfait. Quoi? Mais que fait cet enfant ici? Tu as écouté sans piper mot? Voilà qui n'est guère honorable. Je suis Amos, l'admin de la Team Rocket. Et je n'ai aucune pitié, même pour les enfants. Un petit boss, ça fait plaisir. Attendez, c'est moi ou on démantèle toute la Team Rocket là d'un coup? Smogogo, ok, très bien. Je croyais qu'ils sont du même niveau que les deux autres là. Ah, même plus fort, attention. Là, faut faire gaffe, les amis. Hein. Alors, je disais qu'il fallait faire gaffe, je parlais exactement de ça. En fait, je suis obligé d'utiliser Pika Spin parce que c'est vraiment celle qui a une précision de 140 000%. Ouh, ça va être compliqué cette affaire. Ça va être très très compliqué, on va pas se gâcher là. Et j'étais pas prêt pour ça, moi. Allez, Mélo fait mon petit tanky. Voilà le dernier Pokémon que je voulais, c'était Ronflex. Il me faut un tank, il me faut un tank absolument. J'ai pas de rappel max. Non, j'ai pas de rappel max. Tant pis. Parce que je pense que Melofé, il peut bien tanker. S'il y a pas mal de défense. C'est une façon de voir les choses. Après, qui suis-je pour juger? Hein? Qui sommes-nous? Je me suis fait enculer. Je me suis fait enculer mon Pokémon comme pas possible. Normalement, on n'a pas eu de chance sur la première attaque parce que normalement, Pikachu, il était censé le toucher parce que Smogogo, il a pas une grande... Il a pas une super grande esquive non plus. Et très reconnaissant. C'est bien. Non, mais ça va aller, hein. Croyez pas que j'ai perdu. C'est pas vrai. C'est ce que je vous fais croire actuellement que je suis en train de perdre. Mais je suis pas du tout en train de perdre. Parce que pique à piquer. Allez, salut. Nice. Ah, c'était... Tout ça était évidemment calculé, vous vous en doutez bien. Ok, ça le fait. Ah putain, faut qu'il arrête avec son bomber là. Ok, Smogogo. KO. Ça rime, c'est parfait. Maintenant, les gars, il va falloir tuer le deuxième. Alors, je sais pas si ça va être un Arbok, un Persian. On verra. On verra ça. On va bien voir. Hein. Nosferalto. Les gars. Ce combat est gagné maintenant. Hein, on peut se dire. Allez, on voit ça. Hop, one shot, bam, ça dégage. Dommage, il reste un PV. Ah, mais en tout cas. Ah, je suis content parce qu'on n'a pas perdu ce combat. Il aurait été dur, mais on n'a pas perdu ce combat. Allez, ça dégage. On finit avec un magnifique Fatal Foot quand même. Juste pour un PV. C'est quand même honorable. Et voilà. Ok, le reste de notre équipe a gagné des points d'expérience. Carabaf, nanana, super. Quelle infamie. Non, en plus, on remporte Mastruic depuis tout à l'heure. Maître Giovanni, pardonnez-moi, j'ai perdu face à un enfant. Oula. Salut. Ça va? Est-ce qu'on va vraiment se battre contre Giovanni? Je sais pas, en tout cas, on va remettre notre équipe en forme. Les rappels, j'en rachèterai au magasin, c'est pas un souci ça. Bon, je trouve que vraiment ma team est pas du tout forte. Hein. Du coup, va falloir vraiment songer à l'Apex comme jamais. Hop. Hop. Voilà, on va faire ça petit à petit. Stock. Parce qu'on a assez de potions pour tout le monde. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Voilà, bien. Bon. Maintenant que cela est réglé,
allons se faire le petit boss de la Team Roro. La petite Team Rocket là. Eh bien, tu réussis à vaincre Amos? Rien que ça. Tu me surprends, t'es du genre coriace. Pour financer ses plans, la Team Rocket a besoin de Pokémon. Pour cela, nous en capturons dans le monde entier. Et c'est moi, Giovanni, qui suis à la tête de cette organisation. Oh mon dieu, pauvre petit Osley. Quoi, tu veux que je libère Osley? Non. Moi, c'est l'unique raison de ton infiltration ici, à tes risques et périls. Les enfants sont vraiment inconscients. Je vais te punir pour ton insolence. Ouh les gars, ça pue la merde. Giovanni, le boss de Team Rocket veut se battre. Impertion, ok, ça c'était prévisible. Mais nous aussi on a impertion. Hein? Respectez-nous pour ça. Niveau 35, je suis niveau 31. Oh merde! Ah oui, j'ai oublié de faire ça. En effet. J'ai oublié de faire ça, c'est-à-dire de rechercher les, de recharger les PP de mes Pokémon. Ok. Ouh, il est pas là pour déconner lui. Ouais, non. Non, 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 non. Bon, bah, tiens, il y a un désespoir. D'accord, donc en fait, il lui reste un PV parce qu'il voulait pas nous faire de peine. C'est mignon à lui, mais c'est suicidaire aussi quand même. Ok, donc ça. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est mon Pikachu ça. Putain, mais comment? Comment il a tout défoncé là? Je suis choqué. Réellement, je suis choqué là. Hop. Donc, un Rhinocorne. Ok. Rhinocorne. Je peux me le faire en vrai. Parce que c'est un Pokémon de type sol. Double pied. En vrai, on pouvait voir les. Les. Comment ça s'appelle? Les Pokémon qui est utilisé parce que derrière il a un tableau d'un Rhino féroce et d'un. Et d'un Persian. Quoi? 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 Putain, il résiste de ouf! C'est incroyable! C'est incroyable ce qui se passe actuellement, les amis! On a un super Pikachu qui résiste à toutes les attaques, c'est n'importe quoi! Il ne peut pas perdre! Notre Pikachu. Non! Il meurt! Oh, c'est dommage! Il a tellement résisté! C'est incroyable. C'est incroyable, mais grâce à ses efforts, les amis, on va pouvoir quand même gagner. Grâce à notre petit Roucoups, qui nous a accompagnés depuis le début. Normalement, il devrait avoir la prio d'attaque, parce qu'il est beaucoup plus rapide. Parfait. Pas parfait. Encore moins parfait. Ah, super, adieu Roucoups. Ouais. Ouais, tranquille. Ah ouais, bien sûr. Tout, en fait, c'était prévu. Hein. C'est prévu que Roucoups s'il évoluait pas dans cet épisode, hein, quoi que ce soit. Mais c'est dur, hein, tout ça. Hein. Très dur, hein. Très dur. Hein. Allez, appel. Sur Pikachu. Voilà, allez. Maintenant, t'encaisses un peu, mon petit Milofé, et t'essaies de lancer un petit métronome. En vrai, tu l'as dit, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Sauf que Pikachu est de retour avec son double pied magique. Et là, il est pas là pour déconner en fait. Là, je vous explique. Hop. Double pied. Et c'est terminé, les gars. Pas déconner là. Le boss de la Team Rocket, nanana, je sais pas quoi, mon cul. Bah, il dégage. Non, mais oh. Ok, parfait. C'est ça qu'on aime. Quoi? Damnation. Enfer et damnation. Battu à plat de couture par un mioche. Je l'ai un peu mauvaise. Pardon qu'avec cet ossier, ça te chante. Anse! Et accepte également ceci, je n'aurais pas dû te prendre de haut juste parce que tu es jeune. Ma foi. Vous mettez le scopsil dans le sac. Je vois que tu élèves tes Pokémon avec le plus grand soin, mais ça ne change rien au fait que tu ne peux rien comprendre à mes plans. Tu as gagné cette bataille, mais pas la guerre. Ce mec est tellement charismatique, on se retrouvera. Anse! Ce mec est vraiment trop charismatique. Aussi, on repart vers l'avant-ville. Peut-être que le scope sif pourrait servir à élucider le mystère des fantômes. Ah! Nickel.
Nickel, nickel, nickel. Et bien écoutez les amis, c'est sur ce magnifique combat qu'on va se laisser pour le coup. On va juste un peu sortir de ce repère de la Team Rocket parce que je me sens pas trop à mes aises ici. Je pense que vous comprenez pourquoi. C'est pas la folie du tout quoi. Ok, en fait toute la Team Rocket est partie. Très bien. Tous les membres de la Team Rocket ont dégarpi. Et puis les amis, j'espère en tout cas que cet épisode riche en action et en rebondissement vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à lâcher le lourd pouce bleu qui fait plaisir, à partager les vidéos. Et c'est quoi ces putains de ballons trop stylés? On verra ça dans le prochain épisode. Bref, vous connaissez la chanson, on se retrouve dans une prochaine aventure, dans un prochain épisode, dans une prochaine aventure, tout simplement, dans un prochain épisode, dans un prochain épisode, dans une prochaine vidéo. Bref, vous connaissez la chanson, ciao à tout le monde, c'était Italo, bye bye. Hey l'ami, on dirait que la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, tu peux cliquer sur le petit pouce bleu. Sinon, tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant juste là, ou encore regarder la suite de l'esprit en cliquant juste ici. Ou bien découvrir une nouvelle vidéo en cliquant sur la lunette à droite. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine.